Et hey yo tout le monde, c'est Thiob, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode de Crusader King 3. Alors, oui, on était en train de prendre la Neustrie. Notre duc, voilà, on était en train d'essayer de faire tomber notre duc. Tiens donc. Il y a des troupes qui ont survécu ici, il va sûrement aller piller Rennes. Ou Avranches. Avranches, ils aiment bien le pied. Zut. C'est pas très grave. Alors. Aujourd'hui, on est le 8 juin. Et l'épisode est censé... Enfin, l'épisode de l'esprit narratif est censé sortir demain. Ça va être compliqué. Ça va être très compliqué. Je ne saurais pas là, vous dire s'il est sorti à jour ou pas, mais s'il est sorti à jour... je peux vous dire les gars, j'ai bûché comme un taré. Là, on va sortir dans 24 heures. Compliqué. Alors, la corruption comptale. Le comté de Léon a perdu guilde non coopérative. Ok, c'est bien. Bon, hélas, Rennes se faisant piller, enfin se faisant... assiégés, ils vont pas être contents. Ah, le fût dérobé. J'ai trouvé ces deux-là dont le garde-manger me crie un cuisinier hors de lui en tirant mon fils et héritier Damien Boudouidjin. C'est pas facile à prononcer ça. Douijn. Ok, catholique hollandais, ok, son prénom hollandais. Ils ont volé un fût rempli de vin et bu de la moitié. Et bu plus de la moitié. Oh la vache! Regardez-les! Saoul comme une barrique! Tous les deux! Il tient à peine debout, ajoute-t-il furieux. On dirait que mon pupille a cédé à la pression de son camarade, mais au moins lui et Boudouin et Boudouin. Oh, c'est terrible ça. S'entendent comme larron en foire. Impression que quelqu'un a besoin d'une leçon de responsabilité. Mais c'est bien, il garde le trait social. Faut qu'il soit social. Ça, il s'amuse bien au banquet. Par contre, ce siège ne progressera pas, tu m'étonnes. Il y a plus de, il y a autant de garnisons que, mais plus de garnisons que de personnes en siège, quoi, qui font le siège, je veux dire. C'est terrible pour eux, ça. Alors, attendez. Augmenter la taille de mes pieds, mon unité de piétaille en armure. Otage de valeur, j'ai pris en otage le fils héritier du duc. Très bien. Et on va exiger, appuyer nos exigences. Donc on gagne le duché de Neustrie. Salutations mon ravissant seigneur Lige. Ah ça fume. Votre sagesse et votre clémence sont légendaires. Vous êtes un bien meilleur adversaire que je ne le pensais. Avant de mettre fin à cette épuisement de sang, je vais céder vos demandes. Je vais accéder à vos demandes. Vous êtes maintenant un duc. Voilà. C'est bon, il a les premières rides sur le front, là, 28 ans. C'est pas ouf, ça. Donc nous sommes ducs. Le père, Duc Thiob, le père de la lignée de Neustrie. Alors, ce serait bien, j'aimerais bien devenir de la lignée de Normandie, ce serait un peu mieux. De la lignée de, père de la lignée, passe de Normandie. On va voir s'il y a moyen. Contre le roi Salomon de Bretagne, non. Ah oui, mais non, parce qu'après, enfin oui. Si, mais attendez. Attendez les Bretons. Est-ce que... Non, peu de chevalier, c'est bon, ça va être résolu. Et là, j'ai le comté de Sablé et le comté du Maine. Votre vassal et chevalier. C'était pas lui, mon duc, hein. Expéditeur, voilà. Ravissant Thiob, salutation. On va y faire une partie d'échecs. Passionnante. Qui c'est ça? Montargis. Par ici, ouais. Ouais, vas-y, pourquoi pas.
J'ai jamais fait le parti d'échecs pour le coup. Alors que le comte Angelbert, déjà assis à attendre que notre partie d'échecs commence, je remarque sa mine renfrognée. Ah, je croyais qu'on pouvait mettre un truc dessus, ok. Nous sommes au coude à coude. Bien qu'aucun d'entre nous ne soit proche de la victoire. Vous voyez, c'est pour ça que j'aime bien jouer aux échecs de mon adversaire. Pas de cachotterie, pas de mensonges, juste un jeu de réflexion équitable. Un jeu où, eh ben... tu ne sais pas quoi faire. Oh, on va s'y flotter. Angelbert continue la partie avec plusieurs coups insipides. Bon sang, cet homme semble pouvoir contrer tous mes stratagèmes. Je suis en tête pour le moment, donc aucun de nous ne soit proche de la victoire. C'est complètement injuste. Je ne comprends pas la moitié de ces règles quand il est mon adversaire. De toute évidence, vous les inventez au fur et à mesure que nous jouons. Je suis inégalé dans la théorie des jeux du jeu d'échecs. Angelbert continue la partie avec une autre tentative maladroite de reproduire les coups de meilleurs joueurs. Bon sang, cet homme, ouais, ben, hein. Je le bats haut la main. Et la victoire est si proche que je peux le sentir. Pourquoi calculer est toujours aussi difficile, mon adversaire? Le jeu d'échecs consiste à anticiper les coups, et je ne peux tout simplement pas. Il faut un esprit subtil pour jouer aux échecs. Ouais. Voilà, j'ai trop de faire. Oh, c'est mon tour, bah, mon adversaire. Désolé, je n'ai pas prêté beaucoup attention. Un petit défi de martialité. Avec un rugissement de triomphe, je me lève d'un bond, éparpillant les pièces partout. Cette partie d'échecs est mienne. Une autre belle victoire dans mon ascension incontestable vers le rôle de roi des jeux. Angelbert, défait, reste assis, la main sur les hanches, essayant de comprendre où il s'est trompé. Ouais, on peut rejouer un jour si tu veux. Cette fois contre un peu d'argent. Je sais que je peux faire... Pas avec eux. Des fois je peux jouer avec certaines personnes, mais... Ça doit dépendre de la culture. Ok, alors. On venait de prendre le duché. Je suis duc de Neustrie, mais j'aimerais bien être duc de Normandie, moi. Parce que bon, Neustrie, pas ouf, quoi. Duché de... Voilà. Ah, je préfère. Bon, il y a 3 Normandie, mais bon, ça... C'est pas grave. Pourquoi je peux faire ça, moi? Revendication du duc. Tu es dans le jeu. C'est la revendication de qui, déjà? Je sais plus. Ah, c'est la mienne? Ah oui! Ah oui, mais... Oui, non, mais il manque Saumur, je crois. Ouais, il manque Saumur pour avoir l'Anjou, avoir le titre de duché d'Anjou. Donc, bah, je vais faire ma revendication sur Saumur. Voilà. Et en attendant, je vais aller conquérir la Bretagne. Revendication, duché de Bretagne. Ils ont pas d'alliés. Ils sont infériorité numérique. Alors par contre, je vais faire quelque chose avant. Et que je vais changer mon point de ralliement. Je vais aller à Rennes. Ce sera plus près de la Bretagne, puisque là, faudra que je traverse toute la Normandie. C'est un peu... peut être long. Oui. Allez. Allons prendre la Bretagne, nos amis les Bretons. Ah, ils ont changé de capitale du coup. Tiens, non.
Oh, ils ont toujours. Oh, c'est bizarre. Attention, mon charmant vassal. Vous avez été un sujet loyal et dévoué. Je souhaite vous récompenser pour vos services. Je vous propose, par la présente, le poste d'intendant de Francie Occidentale. De toute façon, je crois que je vais gagner un peu de sous avec. Hein. Là, je suis à 34,7. 37,3, ouais. Je vais gagner un peu de sous. Donc ça me va, je prends. Et pendant ce temps-là, on est en train de se taper contre le commandant du roi. Le roi qui s'est même pas déplacé en personne. Quelle piètre personne est-il? Un vrai roi de se déplacer. Et surtout, doit être à la tête de son armée. Alors, est-ce que je peux rançonner? Il n'y a pas grand monde à rançonner, hein, c'est fou. Les bretons. Maison de Saint Ni. Je sais pas quoi. Lui. Lui, je sais pas quoi en faire. Comme Cosbert 2. Notre Bouchard, ça machin. Oh non. Bon, ils vont rester en prison. Enfin, du moins en résidence. Assigné résidence, quoi. Ouais, on peut encore prendre des duchés. C'est ce qu'on fera plus tard. Le bâtiment a été construit en E. J'ai rien d'autre à construire. De toute façon, je vais m'aménager la Bretagne. Montaigu, par contre, c'est assez Poitiers, ça. Ouais, bah, je refilerai Montaigu à un possible futur duc de Poitiers. Ah. En tout cas, pas moi. Pas de suite. Ah, mais maintenant que je suis... Voilà. Maintenant que je suis duc, je peux augmenter le nombre de... Enfin, la taille de mes armées. Je vais recruter deux unités d'onagre, trois unités d'onagre, pardon. Hop, je vais les faire bouger. Je vais les envoyer à Avranches. Quoique Avreux, c'est pas mal. Allez, Avreux. Ah, c'est normal, non levé, je suis parti avant, j'y ai pas pensé. Et les onagres vont permettre d'accélérer... d'accélérer la... Pardon. Les sièges, voilà. Je ne trouvais plus le mot. Puis après on ira sur le duché d'Anjou. Hein? Ah, quel duché il faudrait que je chope d'un coup. Blois, Bourbon, c'est vrai que les Bourbons ça pourrait être pas mal. Ah les Bourbons sont indépendants. Ah, c'est vrai que en fait, peut-être on joue tout simplement. Ok, mon siège a réussi. Je contrôle Van. Et j'ai capturé le roi de Bretagne. Voilà, vache. 200, je peux demander. Bon, dommage, il les a pas, mais... Bon. Allez, on va faire la paix, on va appuyer nos exigences. De toute façon, il a ma merci. Vous obtenez duché de Bretagne, comté de Nantes, comté de Penthièvre, comté de Vannes, évêché de Guérande, évêché de Tréguier, évêché de Poré, cité de Saint-Malo, et cité de Ré. Voilà, vache. Tranquille, c'est pas difficile la Bretagne. Et je vais disperser mes troupes. Ah, il reste quelqu'un à Cornouailles et... Que Cornouailles? Ah, ça m'arrange pas.
Je vais prendre le... je vais prendre son titre. Comme ça, ça me donnera toute la Bretagne. Je veux la contrôler entièrement, ça me fera plus de revenus. Bon, c'est pas trop à faire normalement, mais... C'est un acte de tyrannie, ouais. Bon, on va pas le faire. Bon, je peux le rançonner, il vaut plus rien vu qu'il est plus roi. J'ai peut-être dû le rançonner avant. Notre gloire est bien connue, ça me va. Je vois que beaucoup de villes nécessitent une construction, donc c'est ce que je vais faire. On va faire un port. C'est vrai qu'on peut faire pas mal de ports. Saint-Brieuc, hop, des champs. Et Nantes. Hop. Pareil, un petit port. Ok. Bon. J'ai appris l'arabe, impeccable. Et qu'est-ce que je pourrais pas... Est-ce que j'ai appris le byzantin? Je vais apprendre le grec. Construire un camp de bûcheron à Rennes, ok. Bon alors, où est-ce que je pourrais aller? Je peux revendiquer des territoires. De Hongrie, hein, ça me sur un Poitiers. Oh, Poitiers. C'est intéressant ça. Duché de Poitiers. Qui est juste là, là, justement. Hop, allez. On va demander une revendication sur le duché de Poitiers. Je vais lui prouver que je suis un digne souverain. Souverain, je sais pas pourquoi souverain. Ah, regardez-moi ça, Normandie. Alors, je vais voir deux choses. Aquitaine et Anjou. Mais Anjou, il va me manquer encore. Il va me manquer encore Saumur, donc pas de suite. Eh ben, je vais aller chercher. Je vais aller chercher l'Aquitaine. Alors, en espérant qu'il n'ait pas d'allié. Je vais modifier mon point de ralliement que je vais mettre ici. Oups. Ouais, je vais mettre Montaigu. Allez. On va voir. Maintenant, c'est là la bonne question. Revendication, duché, il y a deux alliés. Toulouse et l'Asturie. Oh. Ils sont un peu nombreux là. Ils sont un pouillat trop nombreux. On devrait attendre qu'un demeure. Il a quel âge? 30 ans, c'est pas pour maintenant. 38 ans, c'est pas pour maintenant. 33 ans, c'est pas pour maintenant. Ah, ils sont tout jeunes en plus. Ça sera plus compliqué pour eux. Alors, Hervardi, bonne tâche. Augmenter le contrôle en Léon. Très bien, on va pouvoir augmenter le contrôle. Ah, du coup paysan de haute noblesse ou de basse extraction. Peu importe. En fin de compte, nous ne sommes que de simples mortels. C'est ce que je me suis dit plutôt ce matin, lorsque je me suis réveillé avec une toux, une douleur sourde. Qui me martelait la tête et la gorge. Vous semblez être souffrant, monseigneur. Je connais plusieurs remèdes appropriés. Non, c'est qu'un rhume, allez. Peut-être. Allez, on va envoyer ce qu'il faut à Nantes. Je peux revendiquer d'autres trucs ou pas? Les Flandres, l'Aquitaine. Ah, je peux. Le l'Aquitaine, carrément. La Frise, la Haute-Lorraine. Ok. Après, il y a la...
Les Flandres qui sont pas mal aussi. Je vais revendiquer les Flandres. Bon, j'ai perdu pas mal de fois. Voyons voir, est-ce qu'il a allié ? Il a pas d'allié. Donc je vais revendiquer et je vais aller chercher les territoires de Flandre. Hop, je vais lever mes troupes au pays 2. Parfait. J'ai 2700 troupes. Très bien. Apprendre. Ah purée, le néerlandais. Faudra que j'apprenne ça. Je m'en souviens. Vos revendications, le duché de Flandre. Je lève mes troupes. Et je vais aller direct à Bruges. Ok, que... Ouais, je peux passer par la mer. Vous avez perdu le très malade quand je me suis réveillé ce matin. Que j'avais remarqué les premiers rayons du soleil. Il me fallait un moment pour prendre conscience que j'avais dormi profondément pour la première fois depuis des semaines. Ma toux est disparue. Bah oui, il faut bien dormir la nuit. Ok, je peux faire des constructions. On va améliorer le camp de bûcheron. Déclaration d'amour. Vite sablé. Oh non, c'est mon compte. Non, ça m'intéresse pas, c'est mon compte. Essaye de l'intercepter. On va l'intercepter même. On devrait gagner. Le bourgmestre Jean Mutti, le contre Rudolf. J'ai capturé un bourgmestre, ok, pourquoi pas. Je vais passer par là et je vais aller... à Bruges. J'ai gagné la bataille de Péronne. Aide financière, monseigneur. J'ai bien plaisir de marquer que vous avez besoin d'une aide financière. Mon vassal bourgeois. Contre un hameçon? Non. Parce que les hameçons après, c'est une galère. Parce que souvent, ils font des trucs. Même si c'est un hameçon faible. C'est... Tu peux faire des trucs totalement débiles, par exemple, si j'ai au conseil pendant 25 ans. Ah oui, non mais quand je vous dis c'est un peu débile, tu peux forcer un siège au conseil pendant 25 années. 25. Et c'est plus ou moins la durée de vie d'un peu tout le monde à cette époque. Le verre des documents à la fois ancien et d'une provenance moins certaine. Assez d'éléments pour prouver que vous êtes le serf légitime du comté de Saumur. Il ne manque plus qu'un petit pot de vin. Allez, c'est fait. Donc on va construire un port à Brest. Ah non, c'est pas le bon endroit. Et voilà, et là on a un siège à Bruges. On fait le siège à Bruges. C'est Bruges. Manque de nourriture et... régulièrement il y a des événements. Je peux voir là par exemple le mur est cassé et je peux faire un assaut. Pas entre les moins 10%. Surtout l'assaut va ajouter 5,2 à la progression mais causera 63 de pertes chaque jour, c'est énorme. Autant entendre un peu, c'est pas spécialement long en plus, il a pas une ville très très défendue. On sera en... On sera en... Merde, il y a les Flandres ici.
C'est pas prévu ça. On sera en frontière directe avec la Lotharingie. Bon, c'est pas très grave, il y a un morceau de Bavière ici aussi. Bonjour mon pape, dis donc, ça fait longtemps que tu m'as pas donné d'argent toi. Il n'a pas 991. Ah oh, c'est dommage. Quel dommage, t'as combien? Ouais. Tu es pauvre mon pape, je vais devoir te ruiner. Voilà. Ah. J'ai saisi un artefact. Les ressorts du commerce d'origine hollandaise. Plus de prestige, plus de développement. Expérience mensuelle du mode de vie en tendance, plus 20%. C'est pas mal. Bon, par contre, on n'a pas pris... On n'a pas pris assez de points pour gagner. On va continuer, on va continuer à faire des assauts. Judith Carolingienne. Ah mais c'est une des filles du roi ou un truc comme ça, non? Ah c'est ma belle-sœur. Oh, c'est original ça. J'ai fait emprisonner ma belle-sœur. Ok. Attends. Marié avec qui, lui? Votre beau-frère. Ma belle-sœur. Bah. C'est bizarre. Débloqué. Apprendre sur OTA. 20% principal des aptitudes des conseillers sont ajoutées aux vôtres. Ok, si tu veux. Ah, la princesse est de nouveau enceinte. Parfait. J'ai appris le flamand, le grec, et je vais apprendre le flamand. Bon, même si, honnêtement, le duché, il sera pas géré par moi. J'ai bien amélioré son intendance. Très bien, ça. Il a quel âge, lui? 11 ans. Et il est badass pour 11 ans. Revendication. Oui, bah, tout, sur tout ce que j'ai, quoi. Je suppose que tous mes gosses ont les mêmes revendications. Ouais, ouais. Même lui qui a 2 ans, il revendique tout. Même à 2 ans, tu revendiques tout. Bref. Je ne peux rien construire. Ok. Si je pourrais aider à améliorer, par exemple, tout ce qui est les temples, par exemple, de l'évêque, etc. Je roule pas encore assez sur l'or pour ça. Seigneur Lee, j'ai promulgué la loi, autorité de la couronne illimitée. Non, limitée. Des bandits dans le pays de Vannes. Ouais, il a comme moi, quoi. Oula, 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 qu'est-ce que c'est que ça là? Comment ça, royaume d'Italie? Ah, je me fais B avec hein? Oh là, sérieux? Non, pas gourmand, compatissant. J'espère qu'il soit compatissant gourmand. Parce que gourmand, c'est un péché. Citation, monseigneur, dit Alphonse, l'un des cuisiniers. Votre fils Damien est ici avec moi, il a promis de nettoyer les marmites de la cuisine, vous voyez. Et ça s'appelle un sourire. Il a englouti toutes les sucreries qu'il a pu trouver. Qu'un rigoré. Et maintenant il est en sueur. Mais tout rouge d'avoir trop mangé. Damien a toujours aimé les sucreries, mais là, ça va un peu trop loin. Vous devez mieux le traiter. Vous devez mieux traiter Alphonse que ça. Tiens Damien, je vais t'engueuler un coup là. Bon, je me suis quand même fait couiller là. Saloperie. Appuyer les exigences. Saloperie.
Putain, il a donné un territoire. Il y a un autre qui est mort là juste avant quoi. Ah, c'est triste ça. Le comte de Guin. Comté de Guin, je veux dire. Guin, guidé. Bon. Faire une rançon à lui. C'est terrible. C'est terrible là. Là, si je pars en guerre contre l'Italie, j'ai pas fini. Hein. Voilà. Bon, après, souvent, l'Italie éclate au bout d'un moment. J'espère que ça va finir comme ça. Voilà, terrible, terrible ce qui vient de se passer. Voyons voir, est-ce que je peux récupérer le duché? Non, c'est un seul à la fois. En Aquitaine, ils sont toujours copains. Ils sont toujours copains. Par mariage. Bon. C'est la comtesse Hélène de Lille. Ah bah t'as pas intérêt à mourir toi. Putain, je peux pas créer le duché parce que... Est-ce qu'il me manque un territoire? Non, j'ai pas créé le duché de Normandie, c'est le duché de Bretagne je veux dire. Bizarre ça. Bon, c'est pas grave. J'aimerais bien revendication faire avoir une revendication sur le royaume quand même. Tu fais de l'Anjou, ouais, mais non. Créer la faction prétendante. Ils sont pas chauds. Hein. Ils sont pas chauds, c'est pas grave. Bon. Il va falloir chercher des petits territoires un par un. Il y a Amiens. Comté, 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 Chalon, Sens. C'est qu'il y a tout ce qui est Orléans également. Là. Chartres. Vendôme. Il est en train de revendiquer quelque chose ou pas lui? Non, il est pas en train de revendiquer quelque chose. Allez. Allez sur Fandôme. Touraine. Non, Touraine, allez hop. Combien ça lui prend? 15 mois, ouais. Et est-ce que j'essaierai pas de prendre Orléans? J'ai pas de casus belli. Et Italie, je suppose, parce que ça finit avec ça. Ils ont pas d'alliés. Pour compter de Guinness. Bah, je vais sûrement aller... Oh, mais attends, c'est vrai que j'ai ça, moi. J'ai zappé que j'avais un petit morceau de terre ici. Oh, Normandie, hein, c'est... C'est marrant, c'est pas la même Normandie, ça? Ah oui, c'est d'accord. Eh bah... Mais comment ça se fait qu'il soit aussi faible, lui? Il a moins de levée que moi, je suppose. Ah ouais, ouais, j'ai beaucoup de levée, moi. Ok. Bon. Ce que je vais faire, c'est attendre un petit peu que mes troupes se refassent. Parce que j'en ai perdu pas mal, surtout de la piéta et en armure. Donc, il semblerait que malgré tous ses efforts, son effet que suffragant Guy, le comte de Gozelin, soit toujours l'idiot du village. Le plus sage et le plus éclairé des seigneurs, flatte Guy. Comment puis-je donner envie à mon seigneur d'apprendre à lire?
Hésite puis murmure. Ce que le comte a dit après avoir péniblement lu les premières lignes sacrées de des Écritures, ce n'est ni sacré ni éclairé. Buse n'arrivera jamais à lire. Blasphème. Comment ça? Qui c'est lui? Oh, c'est le comte de Solera. Non, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Pas de soucis. On va le laisser tranquillement faire ce qu'il veut. C'est pas un problème. Oui, on va voir. Est-ce que mes troupes sont un peu plus reconstituées? Petit à petit. Tout ce que je veux, c'est le... Comment ça, contre Kernel? Lui, il fait des trucs bizarres contre moi. Hein, on va se méfier de lui. Le trône flamand, tu vas voir, le trône flamand il est à moi. Je l'ai pris, je le lâche pas. Van, on a fait un petit port, on va continuer l'amélioration, voilà. Je pense que ça doit être... Ça va pas tarder à être bon là, oui c'est bon. Allez, on s'en va guerroyer contre l'Italie cette fois. Hop, contre Louis II, dit le jeune. Voilà. On recrute tout. Elle envoie à Turin. Ouf, un petit peu d'attrition là. On va faire ça, on va prendre, voilà, on va prendre tranquillement la ville. Mais ça, ce sera pour le prochain épisode. Voilà, on va commencer à faire les épisodes un peu plus courts, je pense, maintenant, si on peut. Ah oui, c'est vrai que j'ai levé mes troupes il n'y a pas longtemps, donc il va falloir un petit peu de temps, avant que ça se regroupe à nouveau. Ils n'ont pas le temps de rentrer chez eux, qui sont déjà repartis. Oh. Mais je suis bête. Oh, ça y est, j'ai une fille. Alléluia. Alors, comment que je vais l'appeler, la gamine? Oui. On va l'appeler. On va l'appeler Jade. Bienvenue à toi, ma fille. Loue en Sainte Brigitte. De naissance à une parfaite petite fille. Ah non, non, c'est pas Amélie, hein. C'est Jade. Voilà. Je vais en profiter pour prendre la baronnerie de Calais. Avant, en fait. On donnera des points de contrôle du bon territoire. Eux, ils vont sûrement aller là-bas, je m'en fous un peu. Mais... Bouillir de colère. Elle est colérique ou comment ça se passe? Indulgent, social, ouais, pas colérique. Hein. Et assez irritable, ah oui. Ah oui, oui. Ah bah pardon, excuse-moi. Excuse-moi, tu es un poutou. T'as frais petit point à bec, toi. Non, on veut pas, bon, c'est pas grave. Allez, là-dessus qu'on va se terminer, qu'on va se laisser pour l'épisode d'aujourd'hui. J'espère qu'il vous aura plu. Je vous propose de me retrouver très bientôt pour le prochain épisode. C'était Thiob. Ciao.